Namasté, bienvenue pour notre pratique. Nous allons venir faire briller notre soleil intérieur de façon un peu plus intense en libérant la colonne, le haut du dos, l'espace autour des épaules, de la nuque et du cou, et venir ouvrir tout l'espace du cœur à l'avant du corps, ramener une aisance dans le souffle. Renforcer également les jambes, stabiliser notre posture dans notre pratique, mais aussi dans notre vie face au monde. Venir s'asseoir dans une posture assise confortable, les jambes croisées, un pied devant l'autre ou un pied sous le genou opposé en Sukhasana, avec les fessiers légèrement surélevés par rapport aux hanches, assis sur un petit coussin. Ramenez les mains sur les genoux, poussez index en contact, fermez les yeux. Prendre un instant pour arriver dans notre espace de la pratique, arriver sur notre tapis. Laissez derrière soi les événements qui se sont déroulés durant le reste de notre journée jusqu'à présent. Laissez le poids du corps se relâcher dans la terre, la respiration être naturelle. Relâchez dans les épaules, relâchez la mâchoire. Observez notre souffle un instant, observez ce qu'il nous indique sur notre état mental, sur les tensions dans notre corps. Plus notre souffle est aisé, profond, lent, plus on est à l'aise et relaxe. Ramenez les mains en prière devant le cœur, ouvrir notre séance avec notre chant d'ouverture. Om Asato Ma Sat Kamaya Tamaso Ma Jyotir Kamaya Mityor Mahamritam Kamaya Om Asato Ma Sat Kamaya Tamaso Ma Jyotir Kamaya Mityor Mahamritam Kamaya Om Asato Ma Sat Kamaya Tamaso Ma Jyotir Kamaya Mityor Mahamritam Kamaya Relâcher les mains sur les genoux, ouvrir les yeux, basculer le poids du corps vers l'avant, relâcher notre petit coussin si on en avait un. Et on va commencer aujourd'hui allongé, venir sur le dos, plutôt vers le bas du tapis. On va à un moment donné tendre les bras au-dessus de la tête, relâcher tout le dos dans le sol, fléchir les genoux vers le ciel, les pieds bien à plat, ancrés dans la terre, paume des mains vers le ciel. Commencez par relâcher tout le corps. Laissez le dos s'étendre et venir embrasser le sol avec le plus de surface possible. Prendre quelques respirations ici. Engagez notre respiration Ujjayi, notre légère contraction du bas de la gorge. Laissez-la se faire lente, profonde,
à peine audible. Puis les pieds, largeur des hanches, bien ancrer les orteils dans le tapis. À l'inspire, amenez les bras le long du corps, montez les bras vers le ciel, relevez les hanches. Amenez les bras au-dessus de la tête, contre le sol. Paume des mains vers le ciel, active dans le ventre. À l'expire, amenez les bras, redéroulez vertèbre par vertèbre, déposez les mains de chaque côté des fessiers. Encore pour 4 à l'inspire. On monte les hanches vers le ciel. On monte haut sur les épaules. À l'expire, amenez les hanches au sol. Fléchir dans les genoux, ramenez les genoux dans la poitrine, les mains autour des genoux. Puis à l'inspire, étirez les bras vers le ciel, bras au-dessus de la tête. Ramenez les pieds, flex les orteils vers soi. Et expirez, relâchez. Les bras, les pieds au sol. On va enchaîner quelquefois ces postures. Inspire pour le pont, relève les hanches, on relève les bras au-dessus de la tête. On monte sur les épaules. Expire, on redéroule vertèbre par vertèbre. On ramène les genoux dans la poitrine, main autour des genoux. Inspire, étirez les bras, les jambes, pieds flex. Expire, on relâche les bras de chaque côté du corps, pieds au sol, genoux vers le ciel. Inspire pour le pont. Expire, relâchez. Apanasana, genoux dans la poitrine. Inspire, étirez les jambes, les bras. On allonge dans la colonne. On étire les jambes. Expire, ramenez les mains. Déposez les pieds au sol. Une dernière fois. Inspire pour le pont. Expire. On relâche, on ramène vers l'intérieur à Apanasana. Gardez la nuque longue, le menton qui revient dans la poitrine. Inspire, on allonge dans les jambes et dans les bras. On repousse le bout des doigts le plus loin possible, les talons vers le ciel. On allonge dans la colonne, on crée de l'espace entre chaque vertèbre. Et à l'expire, on relâche, on ramène les pieds au sol, les mains de chaque côté du corps. Posez un instant ici. Observez les sensations. Comment ça se crée dans le corps, l'allongement, dans le dos. Doucement rouler vers le côté gauche, pousser la main droite dans le sol et venir se relever. On va se retrouver à quatre pattes. Amenez les mains directement sous les épaules, les genoux sous les hanches. On va garder les orteils à l'intérieur. À l'inspire, relever les fessiers, relever la tête, ouvrir le cœur, bien ancrer le bout des doigts dans le tapis. Et à l'expire, pressez dans les mains, repoussez les fessiers vers le ciel, chien tête en bas, allongez dans les jambes, on peut garder une flexion dans les genoux si on a besoin. Inspire, relâchez les genoux au sol, ouvrir le cœur, fessiers vers le ciel, relâchez le nombril vers le sol. Expire, on presse dans les mains, on arrondit dans le dos, on remonte fessiers vers le ciel, chien tête en bas. Encore trois fois, inspire. Ouvrir tout le corps, relâcher dans les épaules. Et à l'expire, allonger dans le dos. Inspire, on relâche genoux au sol. On ouvre le cœur. À l'expire, chien tête en bas. Une dernière fois, inspire. Allez, expire, activez dans les mains, fessiers vers le ciel. On va rester ici pour quelques respirations. Bien écarter tous les doigts des mains, relâcher les talons vers le sol si c'est possible. Peut-être tendre les jambes maintenant. Si on a besoin de relâcher dans les mollets, on peut
Pédaler légèrement, monter un talon puis l'autre du sol. Puis venir à une posture stable. Relâcher dans les épaules, les aisselles vers le sol. Créer de l'espace entre les omoplates. Activer le ventre, le nombril qui repousse vers l'intérieur, vers la colonne. Coccyx qui redescend vers la terre, allonge le bas du dos. Activer Mula Bandha, les muscles du périnée. Et revenir à notre souffle, à notre Ujjayi. Pour trois profondes respirations ici. Et à l'expire, venir déposer les genoux au sol, fessiers sur les talons. Amenez les mains sur les cuisses, dos droit, posez un instant ici. Puis doucement ouvrir les yeux à l'inspire, ouvrir les bras, remonter vers le ciel, remonter le regard, le menton vers le ciel, allonger dans tout le dos. Activez dans le ventre, relâchez le coccyx vers la terre. Et à l'expire, ramenez les mains vers le sol. Une nouvelle fois, inspire, on monte les bras, on monte le regard. Et à l'expire, relâchez les bras, ramenez le menton vers la poitrine, gardez la poitrine relevée, les clavicules qui repoussent vers le ciel. Inspire, on se grandit, on crée de l'espace dans la poitrine, dans tout le cœur. Expire. Relâchez les bras, menton vers la poitrine, gardez les clavicules qui repoussent vers le ciel. Une dernière fois, inspire. Posez à la fin de l'inspire pour 4, 3, 2, 1. Et à l'expire, relâchez. Les mains sur les cuisses, posez un instant. Doucement ouvrir les yeux, déposer les mains au sol. On va venir se mettre debout pour notre salutation au soleil. Venir en haut de notre tapis. Amener les pieds largeur des hanches ou pieds ensemble. Commencez par s'enraciner dans la terre au travers des pieds, activez chacun des muscles des jambes, laissez remonter l'activation dans le corps, dans les hanches, activez le ventre, le plancher pelvien, allongez toute la colonne, sommet du crâne qui repousse vers le ciel. Et relâchez les épaules, relâchez le haut du dos, les bras. Poussez le bout des doigts vers le sol. Et à l'inspire, ouvrir les yeux. Ouvrir les bras, monter vers le ciel, allonger dans le dos. À l'expire, plonger dos plat. Inspire, Ardha Uttanasana, les mains sur les mollets, dos plat. Sommet du crâne vers l'avant. Expire, relâchez les mains, ramenez le pied droit vers l'arrière. Déposez genou dessus du pied, genou gauche au-dessus de la cheville. À l'inspire, on peut garder les orteils à l'intérieur. Inspire, montez les bras. Légère flexion vers l'arrière si on peut. À l'expire, amener le menton dans la poitrine et ouvrir les bras en cactus, fléchir dans les coudes. Voilà, amener les mains de chaque côté du pied. Inspire, levez le genou droit. On ramène les deux pieds ensemble. Inspire, Ardha Uttanasana. Et allez, expire, relâchez, sommet du crâne vers le sol. Venir interlacer les doigts dans le dos, presser paumes des mains l'une contre l'autre et repousser les bras au-dessus de la tête. Venir à notre Ujjayi. À l'inspire, fléchir dans les genoux, relever le torse, repousser les bras vers l'arrière, relâchez les mains. Inspire, on ramène les mains au-dessus de la tête, on se grandit, on allonge. À l'expire, une nouvelle fois, on plonge
Donc là, on enchaîne tout de suite de l'autre côté. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, on relâche. Pied gauche vient vers l'arrière. Genou au-dessus du pied dans le sol. Ou orteil à l'intérieur. Genou droit au-dessus de la cheville. Inspire. On ouvre le cœur. On monte les bras vers le ciel légère. Flexion arrière du torse si on peut. Puis ramener le menton dans la poitrine. Fléchir dans les coudes. Ouvrir les bras en cactus. Laisser les omoplates revenir presque en contact. Et relâcher les mains de chaque côté du pied à l'avant. Relevez le genou gauche, faire un grand pas, inspire, Ardha Uttanasana, à mi-chemin, dos plat. Expire, Uttanasana, pince debout, on relâche. Croisez les doigts dans le dos, paume contre paume, repoussez les bras au-dessus de la tête, relâchez la tête, le sommet du crâne un peu plus vers le sol. Les jambes tendues ou fléchies. Et à l'inspire, fléchir dans les genoux, repousser les mains vers l'arrière, redresser le torse, relâcher les mains, inspire, bras vers le ciel. On continue, expire, on plonge. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, on relâche, pied droit vers l'arrière. Inspire, bras vers le ciel. Expire, menton dans la poitrine. Ouvrir les bras en cactus et relâcher les mains de chaque côté du pied à l'avant. Levez le genou droit. On fait un grand pas. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, relâchez vers la terre. Ramenez les mains dans le dos, paume contre paume. Repoussez les bras au-dessus de la tête. On étire l'avant des épaules. On ouvre l'espace du cœur plus large. Inspire, fléchir dans les genoux, redresser le torse, puis tendre les jambes. Inspire, bras vers le ciel. Allongez toujours plus dans la colonne. Expire, plongez. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, pied gauche vient vers l'arrière, relâchez les genoux. Inspire, bras vers le ciel, ouvrir le cœur, flexion vers l'arrière. Expire, montons dans la poitrine, bras en cactus, ouvrir tout l'espace du cœur. Relâchez les mains, relevez genou gauche, ramenez les deux pieds ensemble, inspire. Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Inspire, active dans le ventre, montez dos plat, on se grandit. Les paumes se rejoignent au-dessus de la tête. Puis expire, plongez à nouveau. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Pied droit vers l'arrière. Inspire, ouvrir le cœur. Expire, menton dans la poitrine. Gardez les clavicules relevées vers le ciel. Relâchez les mains vers l'avant. Genoux soulevés. On ramène les deux pieds ensemble. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Inspire, active dans le ventre, on ouvre les bras, on remonte dos plat. Expire, on plonge à nouveau. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, relâchez pied gauche vers l'arrière. Genou droit au-dessus de la cheville, inspire. Expire, menton vers la poitrine, bras en cactus. On ramène les omoplates presque en contact dans le dos. Relâchez les mains. Monte le genou, on ramène vers l'avant. Inspire, Ardha Uttanasana. Active dans le ventre se creuse. Expire, on relâche, Uttanasana. Prends quelques respirations ici. On peut avoir les jambes tendues, les genoux fléchis. Lâchez sommet du crâne vers le sol. Allongez un peu plus dans le dos. Peut-être attraper les coudes opposés. Amener un poids supplémentaire pour
Étirez, allongé dans la colonne. Puis relâchez les bras, activez dans le ventre, inspire, on relève, dos plat, au-dessus de la tête. Expire, relâchez les bras de chaque côté du corps. On revient dans notre Tadasana. Gardez les yeux clos un instant et se reconnecter avec les sensations créées par cette version de Surya Namaskar. Sentir ce qui se passe autour du haut du corps, haut du dos, l'espace entre la poitrine et les clavicules. Sentir la chaleur qui s'est créée dans cette zone. L'espace intérieur dans le corps qui s'est ouvert. Doucement ouvrir les yeux. Ramenez les mains sur les hanches. Puis ramenez le pied droit vers l'arrière. On a les deux pieds qui sont toujours largeur des hanches. On va ramener le talon à l'arrière légèrement vers l'intérieur. Ouvrir le pied d'un petit angle vers l'extérieur. Gardez les hanches parallèles au devant du tapis. Inspire, on va monter les bras vers le ciel, se grandir, allonger dans le dos. Expire, amenez genou gauche au-dessus de la cheville. Relâchez le coccyx vers le sol, allongé dans le bas du dos. Repoussez le bout des doigts le plus haut possible. Créez de l'espace dans les côtes, dans le bas du torse, au niveau des hanches. Et allez, expire, on va relâcher les bras, hauteur des épaules. Gardez le ventre actif, puis ramenez les mains vers l'avant, prière devant le cœur. À l'expire, relâchez paume ouverte face à soi. Une nouvelle fois, inspire. Bras vers le ciel, allongé dans le dos. À l'expire, on va ajouter le Om. Amenez les bras, hauteur des épaules. Inspire, main en prière devant le cœur. Puis expire, ouvrir les mains, paume des mains vers le ciel. Om. On continue, inspire. À l'expire, on ouvre les bras sur Om. Om. Inspire, main devant le cœur. Expire, Om. Inspire vers le ciel, allongé un peu plus vers le ciel. Om. Om. Une dernière fois, inspire. Sur les hanches, laissez le talon droit retomber vers la terre, venir s'aligner avec le pied gauche sur une même ligne, et à l'inspire ouvrir les bras hauteur des épaules, à l'expire venir repousser la main gauche le plus loin possible, on peut attraper un bloc, le placer devant le pied gauche, déposer la main
sur le bloc et allez inspirer, tirer tout le bras droit au-dessus de la tête. Reviens à notre souffle. On peut avoir le genou gauche qui repousse dans le bras droit dans le genou gauche. Essaye d'avoir le moins de poids possible dans la main gauche. On ramène main, paume de la main droite vers le sol. On relâche l'omoplate droite vers les reins. Et on repousse l'épaule vers l'arrière. On ouvre un peu plus dans le torse. À l'expire, on ramène la main au sol. On relâche notre bloc. On monte sur les orteils dans le pied droit. Puis pied gauche vers l'arrière. Chien tête en bas. Fessier vers le ciel. On prend trois profondes respirations ici. Retrouvez notre posture fondation. Les mains qui repoussent vers l'avant du tapis. Les pieds qui repoussent vers l'arrière. Ventre actif, plancher pelvien actif. Inspire, amenez genou droit dans la poitrine. Relâchez le pied entre les deux mains. Déposez le talon gauche à l'intérieur. Le pied légèrement dans un angle. À l'inspire, on se redresse. Bras vers le ciel. Pour notre guerrier, hein, on a les hanches toujours parallèles au devant du tapis. Genou droit au-dessus de la cheville. N'hésite pas à réajuster nos pieds si on a besoin. Comme de l'autre côté. Activez dans le ventre, gardez le dos long et droit. Le bas des côtes qui repousse vers l'intérieur. Les clavicules qui s'ouvrent vers le ciel. Profonde inspire. Expire, relâchez, ouvrez les bras, hauteur des épaules sur les côtés. Comme si on recevait. Inspire, ramenez les mains en prière devant le cœur. Expire, relâchez-les face à soi, comme si on donnait. Inspire, on ouvre et on se grandit, on monte les bras vers le ciel. On va rajouter le Om sur chaque expiration. Om. Inspire, main devant le cœur. Om. Inspire. On allonge, on grandit dans la colonne. Om. Om. Inspire. Expire. Om. Inspire. Expire. Om. Inspire. Expire. Om. Inspire. Expire. Om. Puis ramenez les mains sur les hanches. Ramenez le talon à 90 degrés. C'est-à-dire aligner les deux pieds sur une même ligne. Les deux talons sur la même ligne. Inspire, ouvrir les bras, hauteur des épaules. Fléchir le genou droit au-dessus de la cheville. Et à l'expire, repoussez la main droite le plus loin possible. Venir placer la main sur un bloc. Le bout des doigts ou le plat de la main. En mettant le moins de poids possible sur le bloc. Inspire, bras gauche au-dessus de la tête. Paume de la main vers le sol. Essaye d'aligner l'épaule gauche au-dessus de l'épaule droite.
coude droit qui repose dans le genou droit dans le coude droit. On revient à notre souffle. On le laisse venir ouvrir, étendre la cage thoracique à gauche. Activer dans le ventre, activer Mula Bandha. Et à l'expire, relâchez la main vers le sol, relâchez le bloc, montez sur les orteils à gauche. Amenez le pied droit vers l'arrière, chien tête en bas. Trois profondes respirations. Mula Bandha active, relâchez, aisselle vers le sol. Laissez l'espace entre les omoplates se faire plus large. Et à l'exhale, redéposez. À l'expire, pardon, redéposez. Genoux au sol. Relâchez les orteils. Assis sur les talons. Les mains de chaque côté des fessiers. À l'expiration, ramenez le torse vers les cuisses. Relâchez le front au sol. Prenez les mains vers le ciel. Relâchez les épaules. Balasana. Un moment ici pour se relâcher, intégrer les bienfaits des postures précédentes. Inspire, activez doucement dans le ventre, dressez le torse. Ramenez les mains à plat devant soi, montez sur les genoux. Orteil à l'intérieur, on repousse fessiers vers le ciel, chien tête en bas une nouvelle fois. Ramenez les pieds légèrement vers l'arrière. On veut agrandir un petit peu l'espace entre nos pieds et nos bras, et nos mains. Et à l'inspire, basculez les épaules au-dessus des poignets, activez dans le ventre, relâchez les hanches sans qu'elles soient trop bas près du sol. Restez sur les orteils, ouvrir le cœur comme si on était en cobra. Relâchez omoplate vers les reins. Et à l'expire, pressez dans les mains, fessiers vers le ciel, chien tête en bas. On va enchaîner ça trois fois, encore inspire. Épaules au-dessus des poignets, on relâche dans les hanches vers le sol, actif dans le ventre, actif dans les fessiers, les mains qui pressent dans la terre, chien tête en haut, relâchez les épaules, les omoplates, et à l'expire, pressez dans les mains, chien tête en bas. Encore une fois, inspire, chien tête en haut, gardez le menton dans la poitrine, nuque longue. Les épaules qui roulent vers l'arrière. Et à l'expire, chien tête en bas. Ramenez les pieds vers le haut du tapis, marchez. Jusqu'à ramener les mains derrière, les pieds derrière les mains. Ramenez les mains sur les hanches et à l'inspire, dressez dos plat. Ouvrir pied droit sur le côté vers l'arrière du tapis. On ramène les deux pieds parallèles dans la grande longueur du tapis. À l'inspire, on se grandit. Montez les bras vers le ciel. Allongez dans les hanches, dans les flancs. À l'expire, ouvrir les bras, plongez le dos plat. Relâchez le sommet du crâne vers le sol, peut-être attraper les chevilles ou les mollets. Et à l'inspire, redressez dos plat. Venir étirer les bras vers l'avant si c'est possible pour vous. Si c'est un petit peu trop intense, on peut garder les mains sur les mollets. Sommet du crâne vers l'avant, actif dans le ventre. À l'expire, on relâche vers la terre.
Et à l'inspire, ouvrir les bras, remonter dos plat jusqu'en haut. Expirez, relâchez. Faisons-le encore deux fois. Inspire. Des mains vers le ciel. On allonge, on grandit dans la colonne, active dans le ventre. Allez, expire, on ouvre et on plonge. Bien attraper nos mollets. On peut aussi attraper nos gros orteils si on peut. Inspire à mi-chemin. On ramène dos au plat. Si on peut, on étire les bras vers l'avant. Active dans le ventre, Mula Bandha. Et à l'expire, une nouvelle fois, on relâche. Inspire, ouvrir les bras, remonter dos plat jusqu'en haut. Dernière fois, allez, expire. Plongez dos plat. Attrapez cheville, mollet ou orteil. Restez ici juste pour quelques respirations. Si le sol est trop loin pour vous, on peut aussi être à mi-chemin avec des mains sur le bloc. Essayez de garder le dos long et droit, de ne pas arrondir dans le haut du dos. On relâche les épaules loin des oreilles. Le ventre se creuse. La tête se relâche vers le sol. Et elle inspire. Nouvelle fois, actif dans le ventre. On ouvre les bras. On remonte. Et expire, relâchez. Mains reviennent sur les hanches. Posez un instant ici. Peut-être les jambes qui commencent à brûler un petit peu. Puis amenez les talons, les orteils, les talons vers l'intérieur jusqu'à amener les pieds largeur des hanches. On peut revenir face au haut du tapis pour que vous puissiez me voir plus facilement peut-être. Profond inspire, on se grandit. Montez les bras vers le ciel. À l'expire, on garde les bras étendus et on plonge dos plat. Bras vers l'avant, on garde les fessiers au-dessus des chevilles, on allonge dans le dos. Jusqu'à venir relâcher les mains sur le sol. Si on peut, on attrape nos gros orteils avec nos deux premiers doigts. À l'inspire, on vient à mi-chemin. On relève le torse le plus haut possible, on relève le menton. Et à l'expire, on fléchit dans les coudes, on relâche le torse vers les cuisses, sommet du crâne vers le sol, le ventre creusé. Encore une fois, si ce n'est pas disponible pour vous aujourd'hui, on peut avoir toujours les mains sur les blocs. Gardez les genoux fléchis. Inspire. À l'expire. Uttanasana. Une dernière fois, inspire. Expire, plongez. Gardez les épaules toujours loin des oreilles, en les repoussant vers les fessiers. Cette omoplate qui, dans ce sens-là, remonte vers les reins. Venir à notre Ujjayi. Inspire doucement, ouvrir les bras, activer le ventre, monter dos plat. Expire en prière devant le cœur. Samastitihi, qui signifie Tadasana, c'est une autre façon de dire Tadasana, posture de la montagne. Lâchez les bras de chaque côté du corps. Observez les sensations dans le corps. Et doucement ouvrir les yeux. Venir se retrouver à genoux. Poser les fessiers sur les talons. Dos droit. Lâchez les mains de chaque côté des fessiers sur le sol. Allongez à l'inspire.
Et à l'expire, plongez en gardant l'espace créé dans la colonne. Relâchez le torse sur les cuisses, le front au sol, paume des mains vers le ciel. Relâchez les épaules. Voilà, inspire doucement. Relevez la tête, on va ramener les bras vers l'avant du tapis. Inspire et à l'expire. Relâche les fronts au sol. À la prochaine, inspire, amenez les deux mains vers la droite, le torse vers la droite. On peut ramener la main gauche sur la main droite si on veut aller un peu plus intensément dans l'extension du côté gauche. Sinon, on peut avoir les deux mains l'une à côté de l'autre. On va avoir tendance à voir l'épaule gauche qui se relève, doucement la ramener vers le sol pour avoir les deux épaules au même niveau. On allonge dans le côté droit de la poitrine, du torse. On ouvre plus d'espace pour le poumon droit, poumon gauche, pardon. Et à l'expire, doucement ramener vers le centre. Déposer le front au sol. Puis inspire, relever la tête, ramener le torse, les bras vers la gauche. Une nouvelle fois, trouver notre variation, soit les bras ouverts, soit main droite sur main gauche. Redescendre l'épaule droite vers le sol. Relâchez le front au sol si c'est possible pour vous aujourd'hui. Amenez l'attention sur la partie droite du corps, depuis la hanche jusqu'au bout des doigts. S'allonge un peu plus à chaque inspiration. Et à l'expire, doucement ramenez vers le centre. Nouvelle fois, relâchez le front au sol. Inspire, relevez la tête. Relevez les fessiers. On revient dans une posture en table. À quatre pattes, les mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Ramenez les orteils à l'intérieur, pressez dans les mains, fessiers vers le ciel, chien tête en bas. Inspire, étirez jambes, droite vers le ciel. Expire, genoux fléchis dans la poitrine, pied vient se déposer entre les deux mains. Relâche le genou gauche à l'arrière sur le sol. Garde les orteils à l'intérieur. Viens bien s'ancrer dans les pieds. Actif dans le ventre, dans Mula Bandha et à l'inspire, on redresse le torse, on vient déposer les deux mains sur le genou droit. Dos long et droit. Gardez la main droite sur le genou, fléchir genou gauche et venir attraper la cheville gauche avec la main gauche ou le dessus du pied. Ramenez le pied le plus près possible du fessier tout en gardant le cœur ouvert. Si on est stable, on peut ramener les deux mains sur le pied à l'arrière. Laissez l'avant des épaules s'étirer. Gardez les coudes qui repoussent vers l'extérieur, qui reviennent l'un vers l'autre. Revenir à sa respiration abdominale, lente et profonde. Laissez le souffle remonter haut dans le cœur, ouvrir toute la poitrine. Étirez dans les jambes le quadriceps gauche. Puis redéposez main droite, main gauche de chaque côté du pied à l'avant. Relâchez le pied gauche et venir déposer le talon vers l'intérieur. On vient déposer l'extérieur du pied gauche contre le sol. Puis le pied droit, la jambe droite, vient se déposer au-dessus de la jambe gauche. Pieds l'un sur l'autre, on peut avoir le pied droit devant le pied gauche. Puis à l'inspire, étirez bras droit vers le ciel. Active dans le ventre, activez Mula Bandha, on repousse les hanches vers le ciel. On
Bien les épaules alignées au-dessus du poignet. On revient à notre souffle. Puis à l'expire, ramenez le bras droit au-dessus de la tête et ramenez la main au sol, fessier vers le ciel, on remonte sur les orteils, chien tête en bas. Une respiration ici, revenir en son centre. Prenez le torse vers les cuisses, repressez dans les mains vers l'avant du tapis, les pieds vers l'arrière. À l'inspire, on étire jambe gauche vers le ciel. Expire, fléchir le genou dans la poitrine, pied déposé entre les deux mains, relâchez. Genou droit, gardez les orteils du pied droit à l'intérieur. Genou gauche aligné au-dessus de la cheville. À l'inspire, on redresse le torse, les deux mains sur le genou gauche. Puis on garde la main gauche sur le genou, ramène main droite vers l'arrière, genou plié, le pied vers les fessiers, on attrape la cheville ou le dessus du pied. Gardez l'ouverture dans le cœur. Posture stable, on ramène les deux mains vers l'arrière si on peut, les deux mains sur le pied. On étire encore une fois l'avant de la poitrine. On étire le quadriceps droit cette fois, l'avant de la cuisse. Reviens à notre respiration. On laisse remonter depuis le ventre jusque dans la poitrine. Garde la nuque longue, sommet du crâne qui repousse vers le ciel. Puis à l'expire, on relâche main gauche au sol, puis main droite. Pied droit se redépose au sol. On va ramener l'extérieur du pied contre le sol, contre le tapis. Jambe gauche, pied gauche vient au-dessus du pied droit, de la jambe droite. Ou alors vient se déposer devant le pied droit. À l'inspire, on étire bras gauche vers le ciel en alignant les deux épaules au-dessus du poignet droit. Active dans le ventre, on active Mula Bandha, on presse les deux cuisses l'une vers l'autre. Attention à ne pas laisser les hanches tomber vers le sol, on repousse les hanches vers le ciel. Laisse tout le cœur s'ouvrir, la respiration venir ouvrir. Le côté gauche dans la cage thoracique et à l'expire, on ramène bras gauche au-dessus de la tête. On ouvre encore plus dans la cage thoracique et on redépose la main, on monte sur les orteils, presse dans les mains, fessiers vers le ciel, chien tête en bas. On ouvre les pieds largeur des hanches, on retrouve nos fondations dans cette posture, les mains qui repoussent vers l'avant, les talons qui viennent peut-être se déposer au sol cette fois. Le ventre qui se creuse après chaque expiration. Allongez dans le bas du dos, relâchez coccyx vers la terre. Légère flexion dans les genoux ou jambes tendues. Venir à notre Ujjayi. Trouver régularité dans le souffle et à l'inspire. Bascule les épaules vers l'avant, venir déposer genoux au sol, puis fessiers sur les talons. Mains se redéposent sur les cuisses, dos droit, posez un instant ici. Revenir en son centre, revenir à son paysage intérieur. Puis à l'inspire, on ouvre les bras, on monte les mains vers le ciel. On garde les bras. Largeur des épaules, puis on fléchit le coude gauche, on vient attraper le coude avec la main droite. Puis on ramène le coude vers le centre, la main gauche vient se déposer entre les deux omoplates à l'arrière dans le dos. Puis on relâche bras droit qui vient sur le côté hauteur de l'épaule, paume de la main vers l'arrière, on fléchit le coude qui revient. On essaye de venir attraper la main gauche avec la main droite. On repousse le coude gauche vers l'arrière, si on a un petit souci pour attraper les mains, on peut venir utiliser une sangle qu'on va déposer sur l'épaule gauche. On refait la même chose. Et au lieu de venir attraper
les mains ensemble, chacune des mains attrape un espace de la sangle. On ouvre bien là le torse, le cœur. On repousse l'épaule gauche, le coude gauche, pardon, vers l'arrière. Active dans le ventre. Et à la prochaine expiration, depuis les hanches, basculez vers l'avant. Relâchez le torse sur les cuisses. Peut-être déposer le front au sol si c'est possible pour vous. On peut aussi avoir un bloc sous le front si on a besoin. Bon, quelques respirations ici, toujours abdominales, et sentir la respiration restreinte par la pression du ventre contre les cuisses. Et à l'inspire, doucement, relevez le torse. Relâchez une main puis l'autre. Relâchez les mains sur les cuisses. Inspire, à nouveau bras vers le ciel. Fléchir le coude droit. Cette fois, on attrape le coude avec la main gauche. On ramène le coude vers le centre. La main entre les deux omoplates. Puis, main gauche qui revient vers l'arrière. Coude fléchi. On vient attraper les deux mains ensemble si on peut. Ou à nouveau, on utilise notre sangle comme tout à l'heure en la plaçant sur l'épaule droite cette fois. Côte droite qui repousse vers l'arrière. Le souffle qui remonte depuis le ventre jusqu'en haut de la poitrine, jusque sous les clavicules. Gardez les côtes flottantes, le bas des côtes qui repousse vers l'intérieur, qui repousse vers le bas, tout en gardant le haut de la poitrine ouvert. La prochaine expiration, basculez le torse vers l'avant en gardant les bras comme ils sont. On vient déposer les cuisses, pardon, on vient déposer le front au sol, la poitrine sur les cuisses. Puis on revient à son souffle. Son léger ujjayi. Au son de l'océan qui traverse notre corps. Voilà, inspire doucement, activez dans le ventre, dressez le torse. Relâchez les bras. Nouveau, ramenez les mains sur les cuisses et posez un instant dos droit. Gardez la nuque longue, allongée avec le reste de la colonne. Observez les sensations apporté par cette ouverture, cet étirement autour des épaules. Puis on met les fessiers sur un côté, on va venir s'asseoir dans la grande longueur de notre tapis. On ouvre jambe droite sur le côté, pied gauche qui revient contre l'intérieur de la cuisse droite. On laisse retomber le genou gauche vers le sol. On a un petit espace entre le pied et la cuisse. On peut attraper notre sangle et venir fléchir la jambe droite. Placer la sangle à la base des orteils. À l'expire, on relâche, on étend la jambe. Puis on ouvre le torse de face. Et avant de commencer avec la sangle, à l'inspire, on monte les bras vers le ciel. Et à l'expire, torsion du torse vers la droite, vers la jambe droite. Et à l'expire, on allonge dans tout le dos, on repousse le bout des doigts vers l'avant, on bascule torse vers la jambe. Puis à l'inspire, on remonte sans forcément aller jusqu'en bas. On revient vers le centre. Encore, inspire, on allonge, on grandit dans le dos. Et à l'expire, torsion du torse vers la droite, puis bascule face à la jambe, vers la jambe, tout en gardant les bras qui repoussent vers l'avant, les bras alignés avec les oreilles. Attention à ne pas trop arrondir dans le haut du dos. Si on est surélevé par rapport à la jambe, il n'y a aucun souci. Il vaut mieux garder la longueur dans le dos. Et à l'inspire, on revient au centre. On
Inspirez, on repousse à nouveau, on étend vers le ciel, expire, torsion du torse vers la droite. On allonge, on relâche tout vers la jambe droite. Éventuellement, on vient déposer nos mains sur le pied, la cheville, le mollet ou les orteils ou sur notre sangle. Trouvez cette posture où le haut du dos n'est pas trop arrondi, on garde de la longueur, les épaules loin des oreilles. Vaut mieux être un petit peu plus relevé et avoir de la longueur dans le dos que d'être tout arrondi et plus près de la jambe. On revient à notre souffle et on laisse le relâchement progressif des muscles, la gravité nous relâcher dans la posture. On garde le pied gauche actif, le pied flex. Laisse le souffle, la respiration abdominale se faire lente et régulière. Calmez notre système nerveux. Calmez notre mental. Et à l'inspire doucement, redressez le torse, aidez peut-être des mains pour repousser. Revenir au centre, le torse face. Lâchez les mains sur les genoux, posez un instant ici dos droit. Puis relâchez la jambe gauche. On inverse, on ramène le pied droit contre la cuisse gauche. On laisse un petit espace entre le pied et la cuisse, pied droit. Pied gauche flex, pardon. Et une nouvelle fois, on peut utiliser notre sangle si on a besoin. À l'inspire, montez les bras vers le ciel, le torse de face, on allonge dans le dos. On repousse le bout des doigts le plus haut possible, puis torsion de tout le torse vers la gauche. Et expiration, relâchez le torse, les bras vers la jambe, sans forcément aller jusqu'en bas. On repousse le bout des doigts le plus loin possible vers l'avant. Inspire, on remonte et on ramène le torse de face. À la nouvelle inspiration, repousse, on allonge. Expire, torsion vers la gauche. Et relâchez vers la jambe. On cherche à créer toujours plus d'espace. À l'inspire, on remonte. Et on relâche vers le centre. Une nouvelle fois, inspire, on repousse vers le ciel. Expire, torsion vers la gauche. Relâchez le torse, les bras vers la terre. Peut-être attraper le pied si c'est possible pour vous aujourd'hui. Ou sinon, on a les mains sur notre sangle. On peut avoir les mains sur le mollet ou la cheville. Nouvelle fois, trouvez cette posture où vous avez le plus d'espace d'allongement dans la colonne. Commencez à arrondir dans le haut du dos seulement si le ventre touche contre la cuisse. Puis on revient à notre respiration. On se relâche complètement dans cette posture. On a tendance à ramener peut-être l'épaule gauche vers le ciel, ramener cette épaule vers la terre, essayez d'avoir les deux épaules parallèles au sol, au même niveau. Encore une inspire. Prochaine expiration, doucement relever le torse, ramener les mains vers soi, ramener le torse de face et poser ici un instant les mains sur les genoux. Laissez toute la colonne revenir à sa neutralité.
Sentir l'ouverture des hanches qui s'est créée. L'ouverture autour du bassin. Puis doucement relâcher le pied droit un petit peu plus vers le centre et ramener le pied gauche, plante du pied en contact avec le pied droit. On peut ramener les pieds un petit peu plus loin vers l'avant, on peut déposer des blocs sous les genoux si on a besoin. Relâcher complètement les genoux vers le sol, on ramène le dos droit. Bascule du bassin vers l'avant, possibilité de mettre un petit coussin sous les fessiers si on a besoin. On relâche les épaules loin des oreilles. On roule les épaules vers l'arrière, on garde le dos long et droit. Les mains déposées sur les chevilles. Posture qui s'appelle Baddha Konasana. On laisse les hanches s'ouvrir un peu plus. On laisse tout le poids du corps s'enraciner dans la terre, se relâcher. Observez peut-être le contact du corps avec le sol. Les os des fessiers, les ischions plantés dans la terre. Doucement ouvrir les yeux et on va venir s'allonger pour notre posture finale, Shavasana. Pieds largeur du tapis, bras loin du corps, paume des mains vers le ciel. Peut-être faites un rapide scan de tout votre corps pour prendre conscience d'éventuels points de tension encore existants. Consciemment relâchez-les. Relâchez tout contrôle de la respiration. À chaque expiration, tout le poids du corps de plus en plus relâché, lourd dans la terre, de plus en plus ancré. Tout le corps immobile, l'esprit serein et calme. Shavasana pour quelques minutes en silence.
Doucement redéposer la tension dans le corps. Sentir tout le poids du corps complètement relâché dans la terre. Visualiser les points de contact avec le sol. Puis laisser la respiration se faire plus profonde. Remonter plus haut dans la poitrine. Laissez des petits mouvements venir s'installer dans les pieds, les mains, les orteils et le bout des doigts. Laissez peut-être la tête rouler de droite à gauche. Puis amplifier les mouvements, peut-être étirer les bras au-dessus de la tête. Allongez dans tout le corps. Roulez sur le côté droit. Utilisez le bras droit comme un coussin sous la tête et posez ici un instant. Dans notre bulle de détente, presser la main gauche dans la terre et doucement se relever. Venir s'asseoir, jambes croisées, peut-être assis sur un coussin ou une brique. Les mains sur les genoux, pousser index en contact. Dos droit, épaules relâchées. Observez les sensations de bien-être apportées par notre pratique. Sentir tout l'espace du corps et principalement autour du cœur, du dos, de la poitrine. Si cet espace avait doublé en volume. Déposer la tension au centre de cet espace, au niveau du cœur, au niveau du centre de la poitrine. Et sentir cette radiance, peut-être visualiser cette lumière, cette énergie. Activé dans le chakra du cœur, Anahata. Peut-être ressentez des émotions associées. Émotions de contentement, d'amour. De gratitude. Laissez-les peu à peu grandir en vous. Remplir tout le haut du corps. Peu à peu remplir tout l'espace du corps. Du bout des doigts jusqu'aux orteils, jusqu'au sommet du crâne. Tout votre être lumineux, radiant. Rempli de cette lumière peut-être.
sentir cette lumière comme être la source de votre être. La source de qui vous êtes vraiment, au-delà de notre corps physique, au-delà de nos émotions, de nos pensées, cette pure essence qui brille toujours en nous, immortelle, inchangeable. Doucement ramener les mains en contact devant le cœur, posture de prière, Anjali Mudra. Laissez cette compassion trouver en votre cœur, cette gratitude s'exprimer au travers de ce geste. Pour remercier cette pratique, remercier toutes les choses peut-être de notre journée qui nous ont apporté. Peut-être faites une rapide liste des choses pour lesquelles vous êtes en gratitude aujourd'hui. En cet instant. Namasté.